À tous, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir cet après-midi pour évoquer ensemble les enjeux et les solutions de l'empreinte carbone des équipements IT et Télécom. Yann Lecoz sera l'animateur de cette table ronde. Yann, vous êtes diplômé du DESMA, Management Stratégie et Fonction Achat à l'IAE de Grenoble. Après une expérience de 30 ans dans les métiers de l'achat, vous avez exercé la responsabilité de directeur achat et développer une expertise sur la transformation de la fonction achat. En 2015, Yann vous crée YLC Conseil, cabinet de conseil stratégique et opérationnel spécialisé dans les achats responsables. Yann publie chaque mois une rubrique relative aux achats responsables dans la lettre des achats. Et Yann, vous êtes membre du CODIR CNA Région-Île-de-France. C'est à vous. Merci Christian. Bonjour à tous. Alors permettez-moi de faire ce tour de table. Eric, vous êtes diplômé de KEDGE avec une spécialité en marketing industriel après une formation initiale d'électronicien. C'est important à souligner, me semble-t-il, par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous débutez votre carrière en 1998 chez Bouygues Telecom en tant qu'acheteur télécom or lors de la création du réseau de l'opérateur. En 2001, vous êtes responsable des achats IT, Intra, et vous contribuez à la création de l'entité achats IT en prenant en charge les achats d'infrastructures, puis les achats d'infogérance. C'est en 2013 que vous rejoignez les équipes du leader du transport express Chronopost en tant que responsable du département HIT et Télécom. Emmanuel, vous êtes diplômé de l'Institut supérieur de gestion. Vous évoluez dès le début de votre carrière dans le secteur des télécoms, non. du développement commercial marketing de différents opérateurs nationaux et internationaux. En 2003, vous créez votre propre entreprise de conseil dans les télécoms, Sourcing Télécom France Factea, que vous intégrez en 2014 au sein du groupe EPSA. Et vous créez le département IT Télécom. Vous prenez alors un poste d'associé chez EPSA, groupe, en 2019, et vous évoluez sur différentes missions commerciales d'expertise et d'intégration dans le cadre de la croissance externe du groupe. Absolument. Non. Christian, vous êtes diplômé de l'European Business School. Marketing concurrentiel, entrepreneur depuis toujours. Vous créez un opérateur télécom en 1994 qui revient à l'américain LDI Télécom en 1999. En 2000, vous fondez Consotel, spécialisé en optimisation des télécoms pour les entreprises. En 2011, vous créez la spin-off SAS WeDo, éditeur SAS du pilotage responsable de la performance IT. C'est ça. Vous êtes membre du board de ETMA, l'Association mondiale du Technology Expenses Management. Alors Christian, pouvez-vous pour commencer nous donner quelques chiffres clés du Green IT et des enjeux globaux Merci Yann. Euh, alors ce n'est pas un secret, le, le numérique représente aujourd'hui plus de 4% des émissions des gaz à effet de serre dans le monde. C'est euh, plus ou autant que le transport aérien. C'est énorme. 80% de ces émissions euh, sont dues aux seuls équipements euh, extraction, fabrication, euh, logistique et euh, distribution. Le reste, 15% à peu près pour le CLAD et 5% pour les réseaux. Le risque d'augmentation euh, est de 60% pourrait atteindre 7% des émissions d'ici 2040. C'est un rapport de l'ARCEP pour l'Assemblée nationale. Euh, C'est alarmant. Il existe quatre critères euh, qui permettent d'influencer ou des euh, facteurs qui permettent d'influencer ces émissions. Le premier, c'est le choix du matériel, choix du matériel. Euh, est-ce qu'on prend un fabricant responsable Est-ce qu'on prend, euh, est-ce qu'on fait attention à, à ça Il faut savoir qu'un matériel en moyenne, un smartphone, avant d'être livré, fait en moyenne quatre fois le tour de la Terre. Euh, la deuxième critère, c'est l'origine. Est-ce qu'on a un matériel neuf Est-ce qu'on a un matériel reconditionné euh, Évidemment, le reconditionné va impacter énormément sur l'amortissement de cette euh, fabrication. Euh, il faut savoir que seulement 10% des équipements aujourd'hui en smartphone sont reconditionnés. Alors je parle beaucoup des smartphones, mais ça va concerner également euh, les équipements, mmh. les écrans, les laptops, et, et, etc. Bon. 10% ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. Il y a encore du chemin à faire. La bonne nouvelle c'est que euh, ça évolue positivement et qu'il y a à peu près sur ce marché du reconditionné une croissance de plus de 10% par an. Euh, mais il reste encore 1,5 milliard de smartphones vendus dans le monde qui sont neufs. C'est considérable. considérable. Troisième critère, c'est la durée de conservation. Plus on va euh, conserver longtemps un équipement, plus on va amortir son coût ca carbone. Et là, euh, ce n'est pas très beau. 63% des téléphones ont moins de 2 ans, euh, 80, euh, 3%, 5% ont moins de 3 ans, euh, 88% des Français changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. Les constructeurs et les opérateurs savent y faire. Hein. Ils savent y faire. Euh, donc, la, la durée moyenne de conservation d'un téléphone en France, c'est euh, 30 mois. Donc, deux ans, un peu plus. Euh, donc, ça va, ça va très, 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 très vite. Euh, dernier critère, la fin de vie. Donc, qu'est-ce que je fais du téléphone quand c'est terminé Est-ce que je le jette Est-ce que je le donne Est-ce que je le garde Est-ce que je le valorise Est-ce qu'on me l'a volé Est-ce que je le recycle Donc, tout ça, évidemment, ça va avoir un, un, un impact aussi sur le bilan. Alors là, pareil, pas terrible, 55% des téléphones restent dans les tiroirs. Euh, ça fait, euh, selon l'ADEME, pour la France, 30 millions de téléphones qui dorment dans les placards. Enfin, euh, donc voilà les, les critères. Après, tout le monde est concerné. Les euh, salariés euh, interpellent les entreprises. Dans une étude Harris Interactive pour SQLI de mai 2021, donc c'est tout euh, récent, 83% des salariés euh, attendent une mobilisation des entreprises sur le sujet et 74% des salariés attendent que leur entreprise prenne des actions concrètes pour réduire l'impact carbone du numérique. Donc, dans ce contexte-là, Yann, je vous retourne la question qu'est-ce que les acheteurs peuvent faire euh, face à ces enjeux-là Alors, Merci en tout cas pour ces, ces chiffres qui donnent un petit peu le tournis, mais qui euh, ont le mérite de, de bien poser le sujet et le constat en matière effectivement d'achat IT et de Green IT. Alors, pour répondre à votre question, Christian, les enjeux, selon moi, sont, sont, sont multiples pour l'acheteur IT. Déjà, quelques chiffres. Après 2020, et là donc la crise sanitaire, le marché des prestations intellectuelles IT est en forte croissance plus 8% en un seul trimestre sur 2021 et plus 27% par rapport à 2019. Ce qui provoque une raréfaction des, des, des profils disponibles, moins 9% euh, donc des, des prestataires en, en développement, en test, par rapport donc au deuxième trimestre de 2021. Les projets dans les entreprises ont repris, les besoins affluent de plus en plus de manière forte, les prestataires sont davantage en mission et les profils les plus rares euh, sont de nouveau difficiles à trouver. Autre paramètre conjoncturel, euh, la pénurie des composants électroniques. On en parle principalement sur le secteur de l'automobile, mais on en parle également de plus en plus sur les, les, comment, les équipements informatiques et autres terminaux. Euh, les délais de livraison donc des équipements et terminaux provoquent également les hausses tarifaires. Alors, un fort constat, les acheteurs IT Actuellement, sont plus focussés sur ces notions de coûts, de réduction de coûts, de maîtriser les coûts qui s'envolent du fait de ces, de, ces, de ces conjonctures, plutôt que des préoccupations d'ordre RSE et euh, développement durable. Depuis plusieurs années, en complément effectivement de cette conjoncture, la démarche RSE, et notamment le Green IT, prend une dimension très significative dans les grandes entreprises, mais également les PME, que ce soit secteur privé, mais aussi dans les organisations du secteur public. En atteste le nouveau plan national des achats durables, qui court donc pour 2021 à 2000, 2025, et qui mentionne notamment deux objectifs. C'est-à-dire euh, de, de considérer comme premier objectif euh, 30 des marchés publics publiés avec une clause sociale, alors qu'il était de 25 lors de la précédente euh, édition, 2015-2020. Et pour la clause environnementale, le deuxième objectif de ce PNAD, le Plan national des achats durables, mentionne euh, et fixe l'objectif de 100% de marchés publiés avec une clause environnementale, alors qu'il n'était que de 30% sur la précédente euh, comment, édition. Pour répondre à ces exigences et donc pallier aux différentes contraintes, risques, l'acheteur IT doit repenser sa chaîne de valeur et activer les leviers de la démarche d'achat responsable, comme. Et vous l'avez mentionné, Christian, le cycle de vie du produit, notamment le réemploi, le TCO, le Total Cost Ownership, prendre en considération l'ensemble des coûts et notamment le coût carbone. Et c'est tout à fait personnel, mais je pense que la taxe carbone nous pend au nez. Insérer des clauses sociales et environnementales dans les cahiers des charges et les appels d'offres. Ainsi, de cette manière, l'acheteur IT doit pouvoir convaincre en interne, et selon moi, c'est l'un des principaux enjeux de l'urgence de faire évoluer les besoins des prescripteurs et des utilisateurs une vraie conduite du changement pour des achats donc de matériel reconditionné et notamment pourquoi pas auprès des entreprises adaptées qui reconditionnent euh, ce, ce matériel que ce soit PC smartphone et ces entreprises adaptées emploient des personnes en situation de handicap on joue à la fois sur le levier social et le levier euh, ah ouais. environnemental de référence de nouveaux fabricants de smartphones autre que les deux leaders actuels et plus vertueux en matière RSE, et je pense notamment à quelques fabricants européens qui commencent effectivement à prendre un petit peu leur envol face aux deux leaders. Les enjeux pour l'acheteur it d'acheter responsable euh, sont de répondre donc à toutes ces contraintes économiques dans un contexte tendu où les profils sont rares, les matières premières viennent à manquer, maîtriser les coûts et les délais d'approvisionnement, tout en répondant aux attentes et exigences fortes des parties prenantes en matière RSE et notamment les clients. Alors Eric, au sein de Chronopost, euh, les solutions concrètes de contrôle et de réduction de l'empreinte carbone, qu'avez-vous mis en place chez Chronopost Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Et dernière question, <laughs> et je vous laisse et je tends le micro, quelles sont les prochaines étapes Alors, vous savez que Chronopost est, est engagé depuis longtemps dans, dans une limitation de son impact environnemental et depuis 2012 compense euh, toutes ses émissions euh, carbone à, à 100%. Depuis 2019, on a, on a une politique volontariste de réduction de notre empreinte et de notre impact autour de trois axes. Le premier qui est une stratégie autour de la livraison euh, urbaine, donc les entrepôts logistiques urbains. On en a euh, typiquement, on vient au cœur du, du, en cœur de ville finalement pour euh, avoir un, une diversification des moyens de livraison, avec des moyens, euh, des moyens euh, type vélo, piéton ou autre. On en a un sous la Concorde par exemple, il y en a un à Beau on investit des parkings. Voilà. Et donc, on a cette politique-là depuis 2019. Donc, Paris, euh, Lille, Marseille, et on étend sur, sur pas mal de villes. Le deuxième point, c'est la livraison euh, avec des véhicules à faible émission, qu'ils soient électriques ou, ou GNV. Voilà. Depuis 2019, 100% de Paris est livré en véhicules électriques. Voilà, et on, on, on déploie sur, sur beaucoup d'autres villes. Donc, on en a une vingtaine aujourd'hui et 20 à venir d'ici à la fin de l'année. Voilà. Et le troisième, le troisième axe, c'est bien évidemment déployer une politique d'achat responsable. Donc ça, c'est le, le chantier auquel on, on s'attèle là tout de suite maintenant. Et ça fait partie d'un des axes stratégiques de, de Chronopost, de mettre en place cette politique d'achat responsable. Voilà. Donc là, une politique d'achat responsable, c'est on va commencer par cartographier l'intégralité de nos achats, de ce qu'on achète et de mesurer leur, leur impact individuellement et ensuite définir des stratégies d'achat adaptées à chaque catégorie. Merci Eric. Alors Christian, vous avez développé dans la plateforme de technologie Expense Management des outils RSE pour vos clients. Comment cela permet de réduire leur empreinte carbone alors la plateforme qu'on a développée, euh, bon, euh, évidemment depuis dix euh, ans, euh, fait tout d'abord de l'analyse financière sur les factures pour réduire euh, les coûts, euh, a aussi une composante euh, catalogue, outil de commande et surtout euh, outil d'asset de, de, management donc d'inventaire. Euh, on a rajouté euh, depuis. Euh, Quelques, quelques semaines, une dimension euh, RSE pour permettre, parce que nous avons les, les données, et par rapport aux quatre axes qu'on a vu tout à l'heure, qui permettent de nous donner l'information euh, en temps réel de la chaîne complète carbone de chaque équipement. Ça veut dire que, euh, le, en termes de gestion, la personne qui s'occupe de recevoir, de distribuer les, les téléphones, de les acheter, etc., peut avoir, au moment où un équipement lui revient, immédiatement l'âge du téléphone dans l'entreprise, depuis combien de temps l'équipement, ou, ou, ou du PC, ou de l'écran, etc., depuis combien de temps cet équipement est chez moi et de le comparer tout de suite avec les objectifs RSE que l'entreprise définit de conservation de chaque type d'équipement. Est-ce qu'un téléphone, je vais considérer que je veux le garder 3 ans, 5 ans, 7 ans, pareil pour un écran, pareil pour un serveur, pareil pour un laptop. Bon, ça permet de pouvoir prendre une décision, on va dire éclairée, et savoir si on doit faire le petit effort pour réparer tel équipement, changer une batterie, changer un bouton, re -re -re remplacer son écran, etc. Euh, donc ça, c'est une information qui existe, mais là, elle est organisée et elle est disponible pour toutes les, tous les acteurs de l'entreprise. L'autre bénéfice, c'est qu'au moment où on va euh, faire l'achat, au moment où on va gérer son catalogue, on va pouvoir à force avoir euh, des statistiques sur euh, l'impact carbone réel de chaque type ou modèle d'équipement par rapport au métier de l'entreprise vous avez un métier. Il y a d'autres métiers qui sont différents. Il va y avoir des chauffeurs, il va y avoir des techniciens, il va y avoir des commerciaux, etc. Euh, en fait, le, 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 ce qu'endure un téléphone est différent par entreprise. Et donc, avec ça, on va pouvoir savoir dans mon entreprise quels sont les équipements qui finalement on, on a pu les conserver le plus. Et donc, si on n'a pas une contrainte métier forte, on va pouvoir réajuster le catalogue en choisissant des matériels qui ont eu le meilleur parcours dans l'entreprise et donc participer, euh, avec ce que j'ai dit avant et ceci, à réaliser euh, les objectifs RSE euh, de l'entreprise. Voilà, voilà, voilà euh, à quoi on s'est occupé les derniers mois. Ver... <laughs> en tout cas, euh, un véritable outil d'aide à la décision et de pilotage de la performance RSE. Oui, exactement. Et puis ça peut aller avec une gestion de parc. Hein. Exactement. C est, c est, et ça, et on se dirige. Alors il y a encore des, des, du chemin à faire, mais sur une, euh, une mesure de ce que chaque collaborateur génère comme émission avec ses euh, équipements. Donc aujourd'hui c'est beaucoup par rapport à, au rythme auquel ils il renouvellent, où ils égarent, où ils égare, il cassent, parce qu'on a repéré que quand il y a un nouveau iPhone qui sort, il y en a plein qui se cassent miraculeusement. Et donc c'est vrai que ça, tout ça, ça se mesure. Et donc on peut aussi confronter les, les gens à leur réalité. Euh, après, il y a plein de progrès encore à faire sur même l'usage, sur la manière dont on, dont on se sert de la data. Est-ce qu'on met des pièces jointes qu Quel volume est-ce qu'on utilise Est-ce qu'on fait du streaming Comment on stocke Etc. Donc ça va demander encore de la recherche pour ben, affiner et aller, aller un peu plus loin. Une vraie démarche de progrès alors Exactement. Bien, merci Christian. Emmanuel, chez EPSA, vous êtes fréquemment aux côtés de la fonction achat. Bien sûr. Quelle autre bonne pratique avez-vous pu observer chez vos clients Chez les clients Alors, des bonnes pratiques, on en met souvent en place. C'est vrai que nous, au sein du groupe EPSA, on est un, un groupe de, de performance durable. Donc durable, on veut s'inscrire dans la continuité, bien sûr, de, de, des recommandations que l'on fait. Et durable, bien sûr, parce qu'on veut euh, qu'il y ait euh, une notion RSE forte dans nos interventions. Et ça fait déjà un moment que lorsque l'on euh, accompagne nos clients, on mène des consultations, euh, on a cette approche pour que euh, les clients soient euh, les mieux conseillés et qu'il y ait les meilleures pratiques qui euh, soient mises en place. Alors, on en, on en a évoqué euh, plusieurs. Notamment sur la partie télécom, qui est une de nos grandes spécialités au sein du groupe EPSA, sur la partie procurement. C'est vraiment, déjà, c'est décorréler la partie service, c'est-à-dire la partie opérateur, de la partie constructeur. Vraiment, ça, c'est le premier point qui est extrêmement important, sur lequel vous allez avoir deux stratégies différentes. Pourquoi Parce que vous allez vous focusser... Sur la partie service, c'est-à-dire la partie abonnement, tout ce que vous allez négocier, donc les abonnements sur les cartes 4G, les abonnements sur les forfaits mobiles, les abonnements sur les tablettes. Donc ça, vous vous focusez dessus et surtout vous décorrélez les deux, ce qui permet de ne pas subir, excusez-moi pour les opérateurs avec qui je travaille beaucoup, hein, le diktat un petit peu des contrats opérateurs sur lesquels on est sur des contrats qui sont à 18, 24, 36 mois maximum. Et souvent, on a le financement du matériel qui est inclus dans ces contrats. Et du coup, euh, bah, euh, à la fin du contrat, se pose la question de renouvellement de matériel. Mais finalement, euh, c'est euh, parce qu'on est en train de négocier le contrat de service. Donc on décorrèle complètement l'approche matérielle de l'approche service, qui permet d'avoir une stratégie bien différente, et notamment avec une démarche RSE forte en termes de renouvellement. On sait très bien aujourd'hui... Qu'un utilisateur, on l'a dit, Christian l'a dit, on n'a pas besoin de renouveler son matériel tous les 24 mois ou les 36 mois. On peut tout à fait le prolonger, apporter une notion d'accompagnement, de SAV dessus qui permet de prolonger la durabilité. Donc, ça, c'est le premier point, la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique que l'on met en place, c'est ce que l'on appelle le bring your own device. C'est vraiment la capacité de laisser la main à l'utilisateur, à l'employé, de choisir son smartphone, de choisir son équipement, son iPad, euh, sa tablette, et euh, d'avoir un budget alloué par l'entreprise. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet, un, de responsabiliser l'utilisateur. Donc ça, c'est euh, clairement, ça s'inscrit dans la démarche dont parlait Christian avec les chiffres qu'il a mentionné sur les 80% des employés qui veulent euh, que la société s'inscrive complètement dans cette démarche-là. Donc on les responsabilise, ils choisissent le matériel qu'ils veulent. Derrière le cycle de vie du produit, ils le gèrent de la même façon. Et on se rend compte qu'en les responsabilisant, bah, comme par hasard, le renouvellement, bah, il y en a beaucoup moins. Donc c'est vraiment les deux grandes bonnes pratiques que l'on met en place quand on fait euh, justement cette dynamique au niveau... Euh, euh, des, 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 des consultations, notamment sur la partie télécom. Mais c'est vrai aussi pour la partie IT. Hein. Enfin, je, je pense qu'Eric en parlera mieux que moi. Sur la partie informatique. Euh... Responsabiliser les utilisateurs et peut-être, Eric, les prescripteurs également. Les prescripteurs, c'est vrai que je, dans, dans, dans ce qui fonctionne et qu'on a mis en place chez Chronopost depuis, depuis 2016 maintenant, c'est on travaille avec les ateliers du bocage. Euh, et et, et euh, la, la première opération qu'on appelle grande collecte nationale, où on a une centaine d'agences réparties sur tout le territoire, où on récupère finalement tous les D3E. Euh, la première opération qu'on a faite, on, on a ramassé 28 tonnes de, de D3E euh, qu'on a amenées aux ateliers du bocage, et donc qui ont fait l'objet d'un retraitement, et donc il y a 22% qui ont été réutilisés. On a réitéré cette opération euh, en 2019, où on a récupéré 8 tonnes, et là 15% ont été récupérés. Donc ça, ça fonctionne bien. Euh, ce qui fonctionne moins bien, enfin en tout cas les axes d'amélioration, c'est de, de, de communiquer sur le sujet auprès de, de nos utilisateurs, de nos agences, pour qu'ils prennent soin des matériels qui vont amener au recyclage ou qui vont mettre dans, dans les caisses qu'on leur met à disposition pour qu'on puisse les réutiliser et augmenter. Donc ça, ça fait des KPI qui sont intéressants à suivre aussi pour augmenter le taux de réutilisation. Euh, voilà. Dans les anecdotes aussi de, de ce qui... Qui qui, qui qui enfin dans, dans, cette, dans cette opération c'est qu'on achète aussi maintenant aux ateliers du bocage et on a acheté euh, récemment une pénurie de composants oblige euh, aussi mais ça a été une opportunité ou un effet d'aubaine. on a acheté euh, plusieurs centaines d'écrans euh, recyclés. Euh, pour déployer dans, dans nos agents sur les, sur les chantiers et en fait la, le premier réflexe de, des gens qui ont réceptionné ces, euh, ces écrans était de dire mais non, on s'est trompé c'est du recyclé euh, et de les, limite de les renvoyer c'est pas, oui. bon, pas pour nous donc si si c'est bien une démarche responsable qu'on a donc euh, c effectivement c'est les, les choses qu'il faut qu'on améliore qu'on communique plus sur le sujet Ça, ouais. la communication encore la communication encore et toujours ouais, alors revenons donc sur euh, notre notre profil acheteur IT Selon vous, et je m'adresse à vous trois, quels sont les freins que l'acheteur IT rencontre euh, en entreprise, que ce soit en interne, mais également en externe Christian faisait allusion tout à l'heure vis-à-vis des constructeurs et opérateurs. Quels sont ces freins Qui veut répondre ouais, je, je, je me lance. Allez, Christian. Je ne sais pas, exclusif, mais euh, déjà, je pense qu'il y a la notion de marque employeur. Ma, la marque employeur, c'est euh, l'image qu'on euh, peut avoir euh, à l'extérieur de ce que euh, le, 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 votre employeur vous euh, apporte. Et donc, euh, ça peut être. La euh, marque employeur, peut-être j'ai le dernier modèle iPhone, et donc je suis content parce que ça fait partie. Euh, mais ça peut être aussi euh, de, de, de faire attention et justement de communiquer. C'est-à-dire que, le, il y a, je pense, euh, dans les freins, euh, il y a un. Les gens sont prêts, comme je disais tout à l'heure, à ce que l'entreprise fasse quelque chose. Mais là où ils sont beaucoup plus euh, euh, difficiles, c'est quand ça les concerne eux. C'est-à-dire que euh, si jamais on ne leur donne pas le dernier euh, modèle, là, du coup, ils vont être beaucoup moins à, à, à l'aise. Donc il y a une forme, on va dire, d'égoïsme, si je peux euh, donner euh, ce terme. Euh, alors il faut à ce moment-là que euh, la démarche RSE ne soit pas le concerne pas que les gens qui sont responsables mais qu'on communique bien en interne comme tu, vous le disiez, euh, qu'on communique bien en interne de euh, cette démarche pour que finalement la marque employeur se soit aussi d'être finalement assez fier d'avoir un matériel qui fonctionne mais qui n'est pas forcément le dernier parce qu'on fait attention. Et ça c'est un frein mais ça se, ça se travaille donc je pense qu'il y, y, y a beaucoup à faire sur mmh. ce terrain là. Bien expliquer la démarche en interne, pourquoi on le fait pour quelle création de valeur, euh, faire effectivement un, un petit focus sur l'ensemble des exigences des parties prenantes, que ce soit côté salarié, mais ça peut être également des donneurs d'ordre, faire le tour et bien expliquer, bien communiquer qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise, notamment dans certains cas des avantages concurrentiels. Oui, tout à fait. Alors après, un, un, autre, un autre point, euh, c'est euh, le, le, dans le circuit de cycle de vie, euh, peut-être que la réparation, le recyclage n'est pas forcément intégré Alors on voit que chez Chronopost, ça l'est, mais il y a un moment ça ne l'était pas, et puis c'est devenu, de, et donc c'est peut-être mettre dans les process euh, à disposition de manière beaucoup plus saillante euh, le fait de pouvoir, et de manière beaucoup plus, on va dire simple, que ce ne soit pas une démarche complexe, mais que ce soit quelque chose de, de, de simple, de pouvoir en fin de vie, ou quand on a un doute, de pouvoir recycler, valoriser, extraire les euh, matières, pour pas que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve avec 30 millions de téléphones dans, dans, les, dans, les, dans les tiroirs. Donc ça, il y a un frein, mais pareil, il y a un remède qui est de, de mettre en place euh, dans le dans le circuit de euh, gestion. Ben, euh, on parlait des OT du bocage. Il y a euh, AFT euh, Gaia aussi qui est pareil. AFA, il y a plein AFA. de solutions, plein de solutions. Euh, euh. Tout à fait d'accord, Christian. Ce qui est, ce qui fonctionne bien, c'est effectivement des processus simples. Emmanuel, vous vouliez intervenir. Alors, je voulais intervenir sur ce que disait euh, effectivement Christian avant. Euh, c'est vrai qu'il y a dans enfin je, je dirais que les, les RH sont confrontés un peu à ces problématiques-là, on parle souvent de package, de recrutement et autres, euh, le, 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 le digital workplace est un élément de choix assez important pour euh, l'employé le, 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 en règle générale. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans des dynamiques de, de mobilité extrême, hein, le Covid l'a accentué, donc les outils… Euh, dont on va avoir besoin pour travailler sont des éléments importants de choix, de critères de sélection de choix, euh, dans euh, aussi les recrutements. Moi, je, quand je discute avec ma aujourd'hui, surtout dans un métier comme le nôtre, le métier du consulting, hein, on est des itinérants constamment, on est, on, est, on est tout le temps chez les clients euh, et puis, euh, et, et puis en, 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 à distance. Euh, et c'est vrai que d'avoir. Bah, le dernier smartphone d'avoir euh, le dernier pc euh, de pouvoir euh, avoir euh, les meilleures connexions les les meilleures, euh, les meilleures euh, situations pour travailler ce sont des éléments déterminants donc faut, en fait il faut faire un peu la guerre à ça mmh. c'est le vrai sujet et c'est pour ça que Christian avait raison, hein. aujourd'hui c'est un des critères bloquants des dynamiques RSE euh, des entreprises. C'est peut-être le bon équilibre à trouver entre, entre équiper mm. euh, correctement et puis communiquer. Et ça fait aussi partie, notamment chez les jeunes, du choix d'aller dans une entreprise. C'est aussi de, de savoir et, et de bien comprendre qu'est-ce que cette entreprise a comme valeur mm. et qu'est-ce qu'elle met en place, etc. Et, et donc c'est est la ligne assez fine en fait entre, entre euh, ce message. Mm et puis euh, les actions qu'on va prendre. Mais là où tu as raison, c'est que vraiment, il y a, a peut-être un changement des mentalités depuis, constaté notamment depuis le Covid, où euh, effectivement, dans les critères de recrutement, tu l'as dit toi-même, on souhaite qu'il y ait une vraie politique RSE de la part de l'entreprise, donc normalement, c'est un des critères qu'on doit mettre en avant. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment effectif encore. Donc, si j'ai bien compris, Christian, rester cohérent entre ce qu'on affiche parmi les valeurs de l'entreprise mmh, mmh. et ce qu'on attribue, notamment, ce que euh, relevait Emmanuel, euh, ce qu'on attribue comme équipement mmh. euh, auprès des collaborateurs. Mmh. Eric, vous vouliez intervenir également Oui, on peut aussi parler des, des constructeurs IT hein, qui sont là pour construire et faire l'innovation en permanence et, et, et renouveler leur, leur gamme de leur gamme d'équipements. je parle des, des, des serveurs essentiellement ou des, des gros systèmes informatiques, où là, on doit aussi euh, nous acheteurs euh, faire. Euh, une grande, avoir une grande communication avec, avec nos DESI et les accompagner pour, pour qu'évidemment ils ne subissent pas les augmentations de coûts de maintenance au bout de 3 ou 4 ans, une fois que le matériel est censé être amorti ou non, il ne devient pas obsolète s'il rend encore service, on peut le conserver. On a des coûts de maintenance qui deviennent prohibitifs. Donc là, il faut imaginer et trouver euh, des sociétés qui trouvent des solutions alternatives pour, euh, pour maintenir ces équipements qui sont en fin de commercialisation, mais qui sont tout à fait encore euh, efficaces, euh, efficaces. Et le, 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 le meilleur bénéfice pour l'impact euh, zéro, c'est de ne pas changer de matériel et de, et de mmh. continuer mmh. à, à l'exploiter et à l'entretenir. Donc il y a, y a des sociétés euh, qui, qui, qui font ça très bien. Ouais. Effectivement, les chiffres que qu'énonçait au tout début Christian en matière d'empreinte carbone liées à la fabrication des, des, des équipements euh, la, la, la teste effectivement. Donc des nouvelles compétences à acquérir du côté de l'acheteur IT. Ouais. Merci Eric. Nouvelle question pour vous, Emmanuel. Alors je crois savoir que vous avez une opinion sur les constructeurs qui contraignent toujours plus les acheteurs à consommer, euh, que ce soit en B2C, que ce soit en B2B, euh, l'intervention sur le cycle de vie du produit. Selon vous, comment la fonction achat peut-elle agir dans un tel contexte je dirais que c'est un peu compliqué parce que ça, on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. Euh, on le voit bien, les chiffres, les chiffres annoncés par Christian le montrent. Euh, énormément de mobiles, énormément de tablettes, énormément de, de, de PC sont vendus encore aujourd'hui. Euh, et c'est un chiffre qui est en pleine croissance. Euh, et pour moi, on parle tous depuis le début de. Euh, la, la dynamique de l'entreprise par rapport à sa politique RSE, le, le, les, les bonnes pratiques des, des utilisateurs pour que justement il y ait euh, une empreinte carbone qui soit moins importante. Mais finalement, la question qu'on doit se poser aussi, c'est qu'est-ce que, qu -ce que font les constructeurs Vraiment, euh, aujourd'hui, il y, y a cette marche en avant mmh, mmh. où il euh, y a le nouvel iPhone qui sort euh, euh, tout, tous les ans, le 12, le 13. Euh, et y a, en fait, ils suscitent l'envie, ce qui est un petit peu normal. Ils, enfin, ils sont dans un business, ils veulent, ils veulent commercialiser, faire, euh, mettre à disposition aussi, créer le besoin. Aussi, ils font leur marketing. Pour oui. leur marketing. Et ils sont drivés par ça. Et c'est tout à fait normal. En revanche, derrière, ils doivent aussi avoir une politique responsable. On voit l'impact qu'il y a sur la production. Cette production, elle est extrêmement importante puisque, euh, en fait, l'impact carbone, il y a, tu le disais, c'est 75 ou 80 qui mmh. est dû à la production euh, de, 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 des smartphones. Bon, bah, clairement, il y a euh, avant tout une démarche RSE forte euh, à impacter à ces constructeurs. Alors, euh, quelles sont les solutions bah, euh, Les solutions, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, euh, déjà, on va essayer de décorréler un petit peu euh, nos différentes approches euh, au niveau de l'achat du matériel, euh, au niveau du recyclage, euh, tu l'as dit, et puis euh, on le sait. Euh tu disais quatre ou cinq fois le tour de la Terre Quatre bah, fois. C'est quatre fois Quatre fois. Quatre fois euh, le composant qui font, qui font le, le, le tour de la Terre avant d'être de de, sur le arrivé dans nos mains, oui. Bah, je suis désolé. Euh, là encore, euh, euh, il y, y a un vrai effort à faire au niveau euh, de la supply chain, il y a un vrai effort à faire au niveau des composants, il y a un vrai effort à faire au niveau de l'ensemble euh, des produits qui sont utilisés euh, dans la production de, de, de ces matériels. Donc oui, moi je dirais que globalement, on voit que les responsabilités, elles sont à tous les niveaux. On pourrait même conclure là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité de la part de l'entreprise, il y a une forte demande de la part des employés, donc on s'appuie dessus, et l'entreprise est ultra engagée par rapport à ça. On a euh, une responsabilité auprès euh, des fournisseurs. Et les fournisseurs sont, on le voit, les plus, euh, les plus impactés, qui impactent le plus l'empreinte carbone par rapport à ça. Donc, Clairement, ils ont, ils ont une action majeure à mener sur, sur, sur ces éléments-là. Donc pour moi, on est vraiment dans une, dynamique, dans une dynamique qui est collective et on doit approcher l'ensemble de ce marché à tous les niveaux pour être performant et surtout réduire cet impact qui est, qui est aujourd'hui galopant. Et pour, pour l'arrêter, c'est une, une démarche de tout le monde avant tout. Merci Emmanuel pour cette conclusion. Est-ce que Christian Eric, vous voulez compléter avant d'aborder la fameuse session questions-réponses Non, moi juste juste dire que, que c'est aujourd'hui encore compliqué de de mesurer selon les, les constructeurs et, le, et, le, et les modèles, euh, quels sont ceux qui font plus attention, quels sont ceux, parce qu'il y, y a, si on prend le Fairphone qui est le, le téléphone euh, responsable euh, et qu'on prend euh, certaines marques euh, qui le sont beaucoup moins, il y a aujourd'hui euh, peu de littérature lisible et facile à utiliser. Euh, nous, personnellement, dans la recherche que l'on fait, euh, on essaye de modéliser euh, ces informations-là et de les avoir de manière fiable, mais ces informations qui se renouvellent pas souvent et euh, l'étendue des catalogues est tellement immense que c'est difficile. Mais en tout cas, il y a un vrai tra travail pour peut-être favoriser des constructeurs qui font plus atten attention, qui vont être notés meilleurs, et pas que sur la manière dont ils fabriquent euh, un, un matériel, mais sur la manière globalement dans lequel ils font attention euh, aux, aux critères RSE de manière large. Les conceptions. Euh, exactement, en et, et qu'on puisse de plus en plus faire rentrer dans les notations. Euh, quand on fait des choix, ben, ces critères-là euh, pour euh, sanctionner, c'est-à-dire en tous les cas euh, sensibiliser mmh. ces acteurs à, à ce qu'ils fassent plus attention. Voilà. C'est vrai qu'il y, y a des différences euh, importantes entre, entre, les, euh, entre les, les modèles, entre les, euh, les marques, euh, et aujourd'hui c'est encore un tout petit peu euh, difficile de s'y retrouver. La littérature est abondante. Et elle est, elle est euh, difficilement digeste en tous les cas un acheteur, il n'a pas le temps de rentrer, euh, de plonger dans cette donnée, il faut lui organiser. Mais ce n'est pas que au niveau de l'acheteur finalement. un outil de pilotage comme, euh, comme celui de, de Sasuious, c'est aussi euh, la possibilité d'avoir l'ensemble de ces marqueurs qui remontent au niveau de l'acheteur. Au niveau de la DSI, mais aussi au niveau de l'utilisateur. Oui, exactement. Et l'utilisateur est responsable mmh. au, même titre que, au même titre que tout le monde. Donc, toutes ces indications RSE qui vont pouvoir justement euh, individualiser l'impact carbone, parce que c'est vraiment ça, euh, bah, on, va, on a la possibilité avec un outil comme celui-ci de le piloter. Et ça, ça va permettre justement de sensibiliser tout le monde à tous les niveaux. Et, et pour moi, c'est extrêmement important. Oui. On est clairement, clairement à la recherche de, bah, de ces indicateurs, effectivement, pour pouvoir euh, mettre ça dans nos grilles de choix. Mm. Et, euh, et clairement, les, les, les critères RSE prennent de plus en plus d'importance. Et à, à performance ou prix égal, eh bien c'est forcément le, le RSE qui va, qui, qui va être choisi aujourd'hui. Mais euh, il va devenir prépondérant. Ouais. Pour, de il, y a, plus, il y a de plus en plus de, de sociétés qui, euh, qui organisent. L'achat. Alors, on parle beaucoup des smartphones et je m'en excuse, on en reparle encore. Euh, mais c'est vrai qu'ils organisent l'acte d'achat du smartphone au niveau du salarié, c'est-à-dire qu'ils vont déporter euh, la, la charge, en tous les cas, le choix et une partie de, de, de ce process-là. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir amener euh, jusqu'au salarié, dans le respect de la politique télécom que l'entreprise a définie, un certain nombre euh, d'informations sur le matériel qu'il peut prendre. Et parmi ces informations, au-delà de la mémoire, de la, la, le, du prix, de, 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 des, des couleurs, des écrans, etc., de pouvoir également mettre une appréciation RSE pour que, euh, comme vous l'avez dit, à critères égaux, ben, finalement, on puisse pencher sur celui qui aura la, la meilleure note. Merci à vous trois de nous avoir fait partager votre expertise en la matière, de nous avoir donné un regard sur les enjeux également donc, de l'acheteur IT, dans un contexte, on l'a vu, particulier et, et singulier. Merci également à nos, euh, à nos participants et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup.